pousse encore. Oh là là, de mort naturelle. Encore une épouse qui a servi à rien. Ans, votre courtisan. Ah ouais, là je sais pas, j'ai un bug, je peux me marier qu'avec les courtisans. Bon, ça sera toi alors. Tout le monde est concerné. C'est la petite guerre pour revendiquer Parme, donc je vais y arriver petit à petit. Victoire. Donc le siège va assez vite. Alors lui il s'amuse à faire des pop-up là comme vous voyez. C'est les ordinateurs ça. Il voit qu'il a pas assez d'armée pour prendre un territoire, il le fait quand même. Ce qui m'agace en fait, c'est que ce soit elle là, qui récupère le territoire. Je crois que dans le duché de Modène, il y a la Corse. Non. Excellent. Non, il n'y a pas la Corse. Alors, Célienne, armée celle. Armée du bourgmestre. Pas mal d'armée, lui. Très bien. Donc là j'ai pris tous les comtés. Donc là il faudrait que j'aille là. Et le duc de Toscane il a pris. Il a pris. Donc je vais essayer d'aller attaquer son armée. Parce que je vois qu'il a que ça lui, je crois. Vassaux direct. Ah oui, Modène il a que ça. Tac tac pam. Est-ce qu'il a la Corse? Ah ouais, la Corse je peux aller l'attaquer. Le problème c'est qu'elle est assiégée je crois, la Corse aussi. Alors il doit défendre contre le duc de Toscane. Et il doit défendre contre moi. Et lui, je comprends pas pourquoi il est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de se battre. Déjà, battre ton armée là. Si je peux l'attraper, voilà. Hop. On pouvait gagner les pourcentages de guerre en fait. Alors, faction dangereuse. Ah ça je laisse par contre. Mon frère il est... Ah non. Lui il est nul. Ça, je crois que c'était l'autre, mais l'autre il est mort, c'est vrai. En faisant des revendications, il était très bon en intendance. Ça aurait été mon autre frère, je l'aurais laissé. Ah là je peux prendre. Ah non, si je peux le prendre ou pas. Voyons voir. Non, je peux rien prendre du coup. Et là c'est occupé par le comte Sel. Ah, je suis mal barré là en fait. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il se rende là maintenant. Il voudra jamais. Je perds, mais je ne renonce pas. Très bien. Je peux même pas avoir de bateau, je crois. Si là, ici, pas d'où, je crois. Ouais, voilà, j'ai aucune armée, enfin, j'ai aucune flotte, moi. Ouais, c'est vraiment pas évident, en fait. Toi, tu vas me faire la revendication sur compte. Sur quoi ça, c'est quoi? Cité, armée, bourgmestre, je sais pas ce que c'est. Tu vas aller là. Ça c'est à Gênes. Récupérer ça à Gênes, à mon avis, je vais avoir du mal. Gênes, à mon avis, ils ont dû s'agrandir. Alors, ils ont pas pris au plus humain, si ils ont pris là. C'est tout.
Nous n'aurons pas tant d'armes. Ils ne doivent pas avoir tant d'armées que ça alors. Parce que je sais que Gênes et Pise, ils s'agrandissent. Ah bah voilà, Pise, vous voyez, eux, ils ont pas cherché eux. Papa, ici. Ils ont pas cherché du tout. Venise, Empire Byzantin. En fait, il n'y a plus de Sicile pratiquement. Le roi, il se fait laminer. Alors, pour l'instant, on va démobiliser l'armée pour qu'elle se renforce. Ah, il se rend. Ah oui, rends-toi. Ah, la chance. Merci. Hop. Oh, 62 pop-up, quoi. Oh là 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 là. Imaginez, c'est horrible, hein. Et tu crois que la prochaine fois, je vais le laisser fermer. Et je l'ouvrirai plus. Alors. Putain, je vais passer l'après-midi à faire des clics, quoi. Pauvre souris. Alors. Je vais donner le comté que je viens d'avoir. Alors, on va voir déjà. Ce qu'il a dans ce comté, il a rien. Commanderie des frères, ouais. Et il avait une guilde des marchands dans ce village. Et normalement, après, je pourrais même lui choper les titres, je crois. Je vais donner un autre comté. Qu'est-ce que je peux donner? Par exemple, je vais donner un. Alors. Votre héritier, c'est l'intendant. Là, j'ai que des filles. Frère, il est comte. Lui, il est mort. Et lui, il est mort. Dans ma cour. Hugo d'Est. Ok. Beaucoup de femmes. Ah non. Lui, il n'y a rien. Pourquoi t'es rien toi? Bah oui, c'est normal vu tes compétences. Il est. Ah ouais, il s'est marié avec ma nièce, lui. Pourquoi faire? Je vais t'accorder un titre foncier. Alors, Lombardie, Padoue. Bah, je crois que j'ai rien fait dans Padoue, de toute façon. C'est celui-là. Voilà. Ouais, j'ai plus de maîtresse sur moi. Allez, c'est la fête. Ah là là. Allez, c'est reparti. Alors. Donc là, j'ai gagné le comté. Duc de Toscane a usurpé le titre de duché de Modène, comme par hasard. Alors. Là, j'ai gagné ma petite guerre. Tu vas revendiquer ici, là, ce comté de Luc. Est-ce que à lui, je peux lui déclarer la guerre? Non. Je peux demander son excommunication. Non. Non, c'est vrai que c'est chiant. Et lui? Non plus. Lui? Non plus. Voilà. Donc c'est vrai qu'elles avancent pas vite les parties, je passe plus de temps à attendre en fait qu'autre chose. Et ça m'embête un peu. Alors, Lombardie. Maison d'armes. Maison de milice. 300 d'or, pas grave. Je gagne 6,24, donc ce qui est tout à fait correct. Bon, en fait, cette partie là, vous allez juste attendre que votre chancelier vous fasse des revendications. Donc, j'avoue que c'est long. Bon, c'est bientôt l'été avec le soleil qu'il y a là, remarque. Enfin, vous voyez pas, mais moi je vois.
pendant que je vous fais la vidéo. Faut bien que je m'occupe, hein. Je vais pas attendre à chaque fois que le jeu décide bien que mon chancelier efface la revendication, sinon je n'aurai ma claque. Alors, je sais pas quoi. Très bien, oui, même mieux. Je crois que je vais faire un anti-pape pour pouvoir ban des personnes à l'intérieur, en fait. Après, plus tard. Alors, faction dangereuse. Ah oui, effectivement, ça commence à être dangereux. Ça commence à être dangereux, j'avoue. 73% de mes hommes. Ils m'aiment pas du tout, mes vassaux, quoi. Ah, c'est les trois, là, qui m'aiment pas. 1, 2... Le comte de Syrie. Alors moi je préfère appel à mes alliés. Moi je suis allié avec le Kaiser aussi. Faction dangereuse. Toi. Alors pourquoi tu me détestes tant que ça? Progéniture succession. Ok, écraser une révolte majeure, très bien, conquérant étranger. J'avoue, toi t'es italien. Déjà ça, prétendant au titre, quand votre duché de Vérone serait un arbitraire envieux. Ah, j'avoue que c'est chiant. Est-ce que je peux faire un truc pour toi? Putain, tu seras veneur. Voilà. Enfin, je regardais en fait si je pouvais prendre la même culture que lui. Et en fait, il faudrait que je devienne vassal de quelqu'un qui soit italien. Autrement dit, chaud. En fait, j'aimerais bien que ce personnage-là meure, que ce soit mon fils qui reprenne. Là, ça serait plus marrant. Alors, faction dangereuse, oui, j'ai vu. Ça, je laisse, en fait, c'est pour mes revenus. Comment ça, Piémont? Ah oui, ça m'appartient pas, ça. Et je peux pas lui déclarer la... Revendiquer sus pour... Adailda. Ah ouais, il faudrait qu'elle soit comte, elle. Mais je pourrais pas lui donner le titre foncier. Alors, pour rester au-delà de mon propre tir, hein, ils ont réussi à tirer leur progrès. Et les documents si loin, vous devrez rattraper le retard satisfait. Pratique commerciale. Très bien. J'ai piqué une technologie, un truc des gènes. Alors, Toscane a réussi à avoir une revendication sur le prince évêque. Hop là. Ensuite. Alors. Moi. J'ai quel âge là? 49 ans. Mon héritier est très bon en attendant, ça c'est bon. Bon. Il a moins de prestige. Alors il a plein de fils lui. Ah, il a que des filles. Ah non, si, il a eu un fils quand même. Il m'a fait peur.
Il est suzerain de mon neveu. Je sais pas pourquoi en fait. Mais bon, ça. Et sa femme, voilà, elle est forte en intendance aussi. Donc en fait, s'il y a une faction ou un complot qui vise à me tuer, je vais les laisser faire. Pour la simple et bonne raison, ben justement, que j'ai pas envie de continuer à jouer avec lui. Il est nul, quoi. Ah merde, je croyais que le jeu tournait, désolé. Alors, comte de Brescia, tatata, comte. Ok. Alors, excusez-moi pour le fond, ma soeur s'est mise à chanter. Recours à la corruption menace pour allier sinon renom de titre. Patricien de chancelier, qu'il prenne garde. Alors lui, c'est qui? Ils ont su se rendre. C'est un croisé depuis quand? Qu'il prenne garde, oui. Donc il est à la cour de Gênes. Donc il a réussi. L'enfoiré. Oh, j'ai encore l'évêque qui est mort. Ça arrête pas, dis donc. Ah, mon chancelier n'a plus que 13. Est-ce qu'il y a meilleur? Non, pas vraiment. Alors, en attendant. C'est mon intendant qui était mort en fait. Toi? Allez, il supervise la construction. J'ai un bon maréchal. Un bon maître espion. Alors je vais vous trouver un moyen quand vous avez... Voilà, je voulais vous montrer ça. Quand vous avez de très mauvais conseillers, donc généralement ça peut arriver en début de partie si vous commencez avec un tout petit comté. Vous faites ici, trouver personnage. Et là vous cliquez là, 27. Et vous regardez toutes les personnes qui vous aiment bien, genre lui. Donc il a une très bonne opinion de moi, il a 24. Et normalement là, faut que vous cherchiez un moyen de le faire venir à votre cour. Donc, ah, je peux pas. Il est évêque. Enfin, il m'aime bien. Enfin, les évêques, je pense pas que vous pouvez. Mais par exemple, elle, qui est très bonne en diplomatie, elle a 11. Et il faut que vous trouviez un moyen, en fait, de l'inviter à la cour. Donc là, elle dit non pour certaines raisons. Donc, elle aime bien le comte et elle a aucune raison de bouger. Alors après, vous pouvez envoyer des cadeaux, essayer de la marier, etc. Alors, est-ce que j'ai un fils qui est disponible? Non. Est-ce que je peux faire arranger des fiançailles? Elle est déjà mariée avec un... Ah là, d'accord. Quel dommage. Alors, tac. Lui, il est comte de Lorraine. Donc je pourrais pas, comme il est comte... Faut que vous trouviez des courtisans en fait. Alors lui c'est un chancelier de 30, 41 ans. Non, il veut pas non plus. Pourquoi? Alors prince évêque, tatata, aucune raison de bouger. Alors quand vous voyez beaucoup de moins, c'est pas la peine de vous attarder. Par contre, je pourrais le marier. Alors il y a arrangé des... Un mariage, est-ce que j'ai des filles dispo? Non. Est-ce que... Si je fais arranger des fiançailles... Non plus. Donc j'ai pas de filles dispo, j'ai dû toutes les marier.
Alors, quand ils sont chanceliers, déjà de base, ils sont chiants pour pouvoir venir. Bon, enfin voilà, donc vous pouvez voir que là. Oh, mais elle est folle la peau, hein. Alors, il est courtisan lui. Ah, peut-être que j'aurai une chance avec lui. C'est un jumeau. Ok, ça lui donne quoi? Jumeau s'apprécie davantage. Très bien. Alors, toi, tu voudrais venir à ma cour? Non, pourquoi donc? Il n'a pas le pouvoir que j'appuie ses revendications. T'as quoi comme revendication? Sur la baronnie. Mais si je... Alors. 1, 4 moins. Attendez. Alors, 4 moins et 2 moins 6. Alors si j'envoie un cadeau normalement, ça devrait suffire. Non? 3. 3 et 3, 6. 4 et 2, 6. Ah, 6, 6. Donc je vais attendre un peu. Et lui, normalement, je pourrais le recruter dans ma cour. Voilà. Donc déjà, ça me fera un bon diplomate qui viendra dans la cour. Alors je vais attendre un peu, tout simplement. Comte de Padoue cherche à rentrer le duché de Vérone. Très bien. Alors lui, normalement, je pourrais l'emprisonner. Je pourrais l'emprisonner, ça c'est sûr. Alors du coup, comme ça, il pourra pas participer à d'autres choses. J'ai 63%. Voilà. Tant la mort dans le cachot. Voilà. Donc c'est une manière de diriger assez sévère, mais au moins c'est efficace. Parce que je pense que là maintenant, si je vais dans complot connu, voilà. Il y avait le des factions qui cherchaient à me piquer les titres en fait. Ah non, c'était dans les factions, voilà. Alors déjà lui il pourra pas faire la guerre parce qu'il est emprisonné. Et en fait c'est lui qui voudrait mon frère qui voudrait me. Est-ce que je peux l'assassiner? Non. Puis il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui voudraient m'aider à revendiquer ça. Alors on va attendre un peu. Hop. Éliminer la duchesse, très bien. Rentrer le duché de Modène. On peut essayer celui-là. Allez. Comte des Ypres, là il voudrait pas. Ok. Alors le bourgmestre, lui il voudrait bien. Ensuite. Il n'y a personne d'autre. Alors c'est normal que j'ai pas beaucoup de personnes qui m'aiment, sachant que je fais des revendications qui sont faites sur des papiers faux. Donc ça, en fait, ça baisse une. Si je fais l'opinion, normalement, vous voyez, ils sont pas très copains avec moi, hein, ici tout le tour. Donc tout le haut là, comme je les embête pas, ben, ça va à peu près. Mais tous ceux qui sont genre à côté là, eux, tout ça, ils m'aiment pas trop. Le duc, il m'aime pas trop. La Corse, elle me déteste parce que j'ai piqué le comté là. Bon, le pape, il a l'air à peu près de m'aimer. Mais sinon, le reste, vous voyez que c'est très, 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 très difficile. Voilà. Donc là, je suis à 100% normalement. Il me faudrait deux autres personnes, même s'ils sont à 1%.
Il me faudrait deux autres personnes et je pourrais envoyer une revendication. Alors j'ai un prisonnier, oui c'est mon frère, je pourrais demander contre de l'argent mais j'en ai pas bien envie. Arnaud contre Ricardo de Corse. Il est tout seul. Je peux pas lui faire la guerre. Oui, je peux pas. J'avoue que c'est chiant. 10% annuel, très bien. Alors, vous avez ébranlé un délicat équilibre des forces du pays, Duc Hogan Ier. Abandonnez les contrôles du duché de Vérone à l'un de vos vassaux pour le bien de tous. Nous l'imposerons, nous allier nous-mêmes par la force des armes. Alors, jamais. Normalement, il est en prison, il pouvait pas me faire la guerre, lui. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur contrôle pour pas lever les armées qui sont sur les comtés. Petite astuce, ça aussi, qui est très pratique. Alors, il me faut un nouveau intendant, puisque l'autre, mon frère, il va me faire la guerre, il en profite. Oh là là, j'ai vraiment de mauvais intendants. Alors, je ferai la recherche de personnages après, hors vidéo. Donc là, ça c'est bon. J'ai un nouvel intendant. Je vais aller là. Alors, vous voulez vous rebeller? Très bien, on fera me passer sur le corps. C'est aussi simple que ça. Alors, une nouvelle faction est dangereuse. Succession par seigneurité, voilà. Alors, ils veulent ma mort. Alors, c'est qui s'est rebellé là? Contre le comté de Corse. Ah, d'accord, je croyais que c'était une guerre contre moi en fait. Alors je cherche, je sais que je dois prendre... Ah ouais, donc tout ça là, ici, eux. On va prendre eux. Ça me fera des sous en attendant, qu'est-ce que je vous dise. Peu des cités normaux. Ouais, allez, j'approuve. De toute façon, que je dise non ou oui, ça sera pareil. Fantastique, armure lourde, très bien. 36, 452. Alors, ils osent pas s'approcher de moi parce que j'ai vraiment de grosses armées. Il faut rigoler. Alors, comte de Passau est devenu nouveau meilleur en fonction de comte de machin pour Bapierre. Très bien. A déclaré la guerre d'excommunication au duc de Barcelone. Alors ils sont en rouge les deux et je comprends pas pourquoi ils me font la guerre en fait. Alors lui il a eu très chaud, je vois. Il était fondé par un petit groupe de tata. On jurait de protéger les pèlerins sur la terre sainte, tatata, pour pleinement, solliciter leur aide, combattre d'autres catholiques. Très bien. Alors moi je suis en train de prendre des comtés. Ça me fera gagner de l'or en attendant. Je croyais l'avoir récupéré ce petit comté là. Ah oui non, parce que lui il a dû se rebeller le comte de Grison là, tous les coups.
Alors ce que je vais faire, je vais aller, après avoir pris ce territoire, leur latter la gueule. Voilà. En fait, si je voulais arrêter la guerre, il faudrait que j'aille... pardon. Il faudrait que j'aille en Corse. Parce que c'est le comte de Corse, en fait, qui m'a demandé... qui me demande le duché. Je sais pas pour quelle raison. Alors, quand je m'en doutais, c'est une partie assez difficile parce que vous devez faire des revendications avec votre chancelier et après il vous revendique toutes les choses. Donc, c'est vrai que c'est chiant. Attention, j'arrive. Fuis, pauvre fou. Indépendance. De Trévis. Où c'est que c'est ça? Ici. Ok. Allez. Je vais perdre pas mal d'hommes, je pense. Voilà. Donc on va assiéger ce monsieur. Pourquoi les paysans ils se rebellent en même temps là? C'est nul. Alors, nos connaissances dans la province de Pavie ont atteint le numéro. Enfin, le niveau 1. Numéro 1. Waouh, Fabrice, waouh. Ah, j'ai peut-être fini par engager des mercenaires à tous les coups. Là, je voyais 1000 hommes. Ça me paraît être une bonne idée. Je gagne combien? 4,82. Enfin non, 5,73. Je peux pas faire appel à tout le monde. 75, qu'il soit pas trop cher. C'était eux les moins chers. Ils sont engagés. Alors, ce sera la bande Saxonne. Hop là. Et comme j'ai pas beaucoup de bateaux, on va faire ça, le chemin. Ok. La famille tue. Alors, tu vas aller là, baiser sa gueule à lui là. Ah ouais, mais là...